trop diminué. Le vent. Ce matin, vous avez vu ça? Une belle robe. Tu vois, non? En bonne femme du Lala. C'était dit. Je vous dis bonjour, je vais vous saluer. J'ai un petit message à passer. Yobo Claude soit salué, Suleiman soit salué. Je vous salue tous. Comme je l'ai dit, je suis à Abidjan. C'est vrai, hier soir, après ma vidéo ce matin, il y a des gens qui essayent de m'appeler pour me dire qu'il faut que j'arrête de donner mon point de vue. Sinon, pendant mon retour, Maître Dadje et certaines personnes vont me faire arrêter à l'aéroport. Je ne sais pas. Je suppose que le président Ouattara a plein de choses à faire. Que d'arrêter des gens parce que moi je choisis d'aimer le président Laurent Gbagbo et je choisis d'aimer ma maman Douaoudé. Moi je viens dire que c'est mon point de vue et c'est mon choix. Je vais passer un bon séjour et je vais retourner chez moi. Je vais retourner dans ma deuxième nation. Ça je le dis. Et que à l'aéroport, Maître Dadje ne fera rien. Je le dis, il ne fera rien. S'il fait quelque chose là, je vais prendre hâte. Où on va m'amener là, je vais m'asseoir. Mais ça ne peut pas m'empêcher. Ça ne peut pas m'empêcher de donner mon point de vue. Mon point de vue, je dis et je répète. Le président Laurent Gbagbo est un homme libre. Les Ivoiriens l'ont connu sur le volet politique. Il est libre d'épouser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ça, je le dis. D'autres personnes, ils ont la latitude, ils font des posts, ils font des vidéos d'exprimer leur point de vue. Moi, je dis et je le reprends. Le président Laurent Gbagbo est un homme politique. Moi, je l'aime. Je suis une partisane du président Laurent Gbagbo. Donc, je peux donner mon avis. Pour te faire arrêter dans un pays, c'est que peut-être que tu as fait un délit très, très grave. Si c'est ça là, moi je viens dire aux simonistes, je viens dire aux blégoudéistes, à n'importe qui là, ça ne va pas me déranger. Ça ne va même pas me déranger même. Les Ivoiriens verront vos laideurs, votre mensonge, votre manipulation. Ça dit que la vie privée du président Laurent Gbagbo que vous avez pris pour faire un programme de société là, les Ivoiriens sauront que le COGEP n'est pas un parti, mais c'est un nid de dénigrement du président Laurent Gbagbo. Et je dis... Le président Dramane Ouattara dit d'aller à la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo est venu. Il y a des choses plus importantes à faire. Il y a des prisonniers politiques. Les Ivoiriens ont besoin d'hommes politiques de paix. Et le président Laurent Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire pour parler de la paix et de la réconciliation. Maintenant, si vous laissez ça, et puis on dit, ouais, parce que Maître Dadje connaît Issouf Kouyaté, Maître Dadje connaît tant... Et moi, vous m'appelez pour me dire que Alex Zaté, nous, on te menace quand tu as voulu partir à l'aéroport, là, Issouf Kouyaté. Les microbes qui sévissent, là, les gens qui sont ici, là, on ne les voit pas. C'est moi, Alex Zaté, parce que j'ai donné mon point de vue contraire. J'ai dit que le président Laurent Gbagbo peut se marier à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais ça, c'est votre problème. Mais dans la vie, là, on meurt une seule fois. Si c'est ce que Dieu a écrit pour moi, là, tant mieux. Je vais le faire et je vais l'assumer. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ne vous faites pas peur. Je suis venu parce que le président Laurent Gbagbo, pendant 10 ans, est parti de son pays. Il est rentré. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Il est rentré. Et il était le chaînon manquant de cette réconciliation. Il a sa part. Quand un homme politique a plein de militants, on doit le consulter. On doit demander son avis. Parce que
On ne peut pas d'un revers de main nous dire que les militants du président Laurent Gbagbo ne doivent pas exister. Ça, je dis non. Donc, c'est pour cela, notre mentor, qui est le président Laurent Gbagbo, doit être en Côte d'Ivoire pour aussi participer, contribuer à la paix et à la consolidation de la Côte d'Ivoire. Je répète à qui veut l'entendre. Je répète à qui veut l'entendre. Dans ce pays-là, il n'y a pas un homme politique qui a demandé le divorce et puis ça fait buzz et ça a traumatisé la quiétude des Ivoiriens. Donc le divorce là du président Laurent Gbagbo ne peut pas troubler la quiétude des gens jusqu'à ce qu'on dise que moi quand je vais partir, on dit il y a un maître qui s'appelle Maître Dadjé. C'est parce qu'il y a eu un problème dans les camps des pro Gbagbo qu'on a connu cet avocat là. Nous l'avons honoré. Nous l'avons. Maintenant, si aujourd'hui, là, il pense que le fait que les patriotes l'ont rehaussé, le fait que le malheur qui a frappé le FPI lui a donné une vitrine, donc il peut se servir de ça pour faire ce qu'il veut. Moi, je n'en ai rien à cirer. Moi, je n'en ai rien à cirer. Je le dis. C'est vrai. On dit dans la vie, c'est ce qui t'est destiné, c'est ce qui t'arrive. Je dis et je répète. C'est parce que le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été bombardé qu'un homme qu'on appelle Maître Dadjé Rodrigue a été connu. Moi, je le dis. Je suis Abidjan, c'est pour le dire. Sans ça, là, on n'allait pas le connaître. Donc, il ne peut pas se servir de ce combat-là. Il n'est pas un avocat matrimonial. Il est l'avocat personnel. Donc, nous, on s'en fout. C'est ce que j'ai dit et je reprends. Je ferai mes vidéos jusqu'à ce que je parte. Je dis, je vais faire mes vidéos jusqu'à ce que je parte. Vous avez vu ce joli boubou-là. Je veux dire merci à la SN, Fofana Namizata. Elle m'a fait un très 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 beau boubou que j'ai porté. Elle me dit non, les Koyaka sont les chefs des Maouka. Je lui ai dit non, les Koyaka ne sont pas les chefs des Maouka. Moi je suis une fille Maou, je suis Gagou, je suis Bété, je suis Maou. Donc les Maouka, c'est les Maouka qui sont les chefs. Donc Fofana Namizata, je voulais te dire merci, merci. Mon séjour, tu l'as rendu plus qu'agréable. Tu as été à mes petits soins et tu continues. Je veux te dire merci pour ce boubou là. Vous avez vu? Non. Vous avez vu, non? C'est juste comme ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous faites pas peur. Ne vous faites pas peur. On ne peut pas parler d'un divorce et puis on va arrêter les gens. On ne peut pas donner un point de vue. La camarade Simone Gbagbo, elle veut être femme politique. Donc, on peut la critiquer. On peut la critiquer. De la façon, vous avez le droit de critiquer le président Laurent Gbagbo. De la façon, vous avez le droit de s'asseoir dans sa culotte là. Moi, je ne vais pas m'asseoir dans sa culotte, mais je peux la critiquer parce qu'elle est une femme politique. C'est ce que j'ai dit. Je dis, tout le monde va divorcer. Le président Laurent Gbagbo a le droit à un bonheur. Il doit être heureux. S'il a décidé de refaire sa vie, ça c'est son choix. Maintenant, vous, vous êtes à Abidjan, vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous êtes dans tous les pays, vous avez le droit de vous asseoir derrière votre Facebook et puis maintenant, insulter le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, il est venu ici, hein, même s'il n'a plus le pouvoir, mais c'est un ancien chef d'État, il a besoin aussi qu'on le respecte. Et puis, lui, il ne porte pas plainte contre vous. Il ne va pas voir Issouf Kouyaté, il ne va pas voir les autorités pour qu'on vous arrête. Et c'est moi parce que je dis que le président Laurent Gbagbo est libre. Et puis, on m'appelle, on me dit, il y a un monsieur. Moi, j'attends ça. C'est pour cela que je voulais prendre les Ivoiriens à témoin. Je voulais prendre tout le monde à témoin. Je suis venu accompagner le président Laurent Gbagbo. J'ai profité, je suis allé voir mes parents. J'ai la famille ici. Je suis venu là. Quand tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne fais pas de délits là, on ne t'arrête pas. Je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai donné mon avis. Et mon avis là, j'insiste dessus. Le président Koudou Gbagbo Laurent, là, hier, là, il dit, ça fait des années, il a demandé divorce. Donc, arrêtez de l'insulter. Quelqu'un qui demande divorce, là, arrêtez de l'insulter. Puis, mariage, là, c'est pas forcé. Vous l'insultez. Vous le traitez de zozo. Vous le traitez de tout. Et puis, vous voulez l'obliger à marier la personne. C'est de ça qu'il parle. Il dit, on ne peut pas obliger quelqu'un. La personne, vous l'insultez. Vous dites qu'il est comme ça. Il est ceci. Et en plus de ça, ça veut dire que c'est quand j'ai bien scruté la vidéo de l'aéroport, comment la fille aînée de notre camarade Simone et Yves Gbagbo, sa fille aînée, peut aller dans une vidéo, lever, vouloir même lever la main sur la femme de son papa. Ça ne se fait pas. On ne peut pas vous dire ça. On ne peut pas vous dire ça. Moi, j'ai marché pour Simone Gbagbo.
J'ai battu le pavé à Paris pour elle. Je suis resté dans les rues de Paris pour réclamer sa libération. Quand on a fait la levée de pagne pour elle, là, moi j'ai acheté un pagne hollandais, puis j'ai mis l'argent dessus. Donc j'ai le droit parce que j'ai battu le pari pour elle. Et j'ai cru qu'elle était dans un combat noble. Je ne pensais pas que c'était un combat individuel. Et je le dirai à qui veut l'entendre. C'est ça qui est la vérité. Je ne me suis pas battu pour son foyer. Je me suis battu pour une cause. Je me suis battu pour la vision. Je me suis battu pour la valeur qu'incarne le Front Populaire Ivoirien, le parti que je milite. C'est ce qu'elle dit. Et c'est ça là. On a besoin d'aller dire qu'on attend cette fille-là. Quand elle va vouloir passer à l'aéroport, on va la mettre de côté parce qu'elle a parlé d'un certain Dadier Rodrigue qui n'était rien. Il a fallu le problème de la Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il y ait des prisonniers arrêtés. Il a fallu que nous, on lui donne la procuration d'être un avocat. Et puis maintenant, lui va aller s'arrêter. Mais il a menti. Il a menti. Je vais partir où on m'a mené là. Mais je vais, ma bouche ne va pas se taire. Donc s'ils m'arrêtent là, ils n'ont qu'à faire un coup KO. Ils n'ont qu'à me faire un coup KO. Sinon, s'ils ne me font pas un coup KO là, que je sors de là-bas, je peux parler, je vais parler. Il y a des gens qui sont des gens de conviction. Il y a des gens qui ont une détermination. Et moi, j'ai ma détermination. De la façon, tous les militants du RHDP, ils sont à Abidjan là. Et puis, ils aiment Dramane Ouattara, le président Ouattara là. Moi aussi, j'aime le président Laurent Gbagbo. Donc, je peux être libre. Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas le choix d'aimer Gbagbo, Laurent? J'aime. J'ai le choix d'aimer Gbagbo. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai le choix d'aimer ma maman Nadi, Ozoa, Dieu donné, désiré, ange béni de Dieu, Walie Douaouté. J'ai le droit de l'aimer. J'ai le droit. Et j'ai le droit de m'afficher. J'ai le droit de faire vidéo pour ça. Donc je vais vous laisser. Ne me menacez pas. Ne vous pressez pas. Quand je serai là-bas, là, c'est la police qui fait le contrôle. On va vous dire. Si c'est ça, je vais aller. Mais sinon, ça ne va pas me faire peur. Ça ne va même pas me faire peur. Même pas, parce que c'est pas pour ça on a marché pour Simone Gbagbo. On a marché pour elle, femme politique. Je n'ai pas marché pour une femme privée. Je n'ai pas marché pour une Tidon. Dadé Rodrigue va voir comment moi, Alex Zaté, est sorti de ce pays. Mon frère, c'est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les simonistes là, c'est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Hein? C'est à l'aéroport. Donc ça veut dire que vous, à votre tour là, Ouattara même là, il a laissé d'autres partisans de Gbagbo Laurent circuler. Donc vous, vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Vous n'avez même pas encore commencé votre politique là. Donc vous allez arrêter tout le monde. Vous allez prendre tous vos anciens partisans, tous ceux qui ont marché pour vous, tous ceux qui ont scandé Simone Gbagbo, libérer Simone Gbagbo là. Vous allez prendre les gens, vous allez partir les déposer en prison parce qu'on a dit que Gbagbo Laurent ne peut pas divorcer. J'ai dit Gbagbo Laurent divorce. Gbagbo Laurent divorce. Et je dis et je répète. Tant que les enfants de Simone Gbagbo, les filles de Simone Gbagbo ne disent pas aux gens qu'il faut arrêter, le papa a fait communiquer. Donc ils n'ont qu'à venir dire qu'il faut arrêter. On va arrêter. Elle a le droit que ses partisans insultent Gbagbo Laurent, s'asseyent sur Gbagbo Laurent, fait brosse sur Gbagbo Laurent. Et puis nous autres, on ne peut pas parler. Mais c'est quelle dictature? Même Dramane, le président Dramane Ouattara n'est pas dictateur comme Simone Gbagbo, comme les militants de Simone Gbagbo, comme les fan clubs de Simone Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je suis à Abidjan. Le gouvernement ivoirien là n'a pas que ça à faire. Dadier Rodrigue, si tu as autant de pouvoir que ça là, elle a habité chez toi pendant 8 mois. Pourquoi elle est partie de là-bas? Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Les intimidations. Les intimidations, les arrestations. Vous emmerdez les gens. Arrive un moment, on dit trop, c'est trop. On dit arrive un moment, ça suffit. Arrive un moment, il faut aller à l'essentiel. Arrive un moment, il y a des Ivoiriens qui ont cru au combat du président Laurent Gbagbo, qui ont donné leur poitrine pour le président Laurent, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont cru à la paix. Et ces gens-là, qui sont des Ivoiriens comme vous, qui demeurent encore dans les prisons. Et que, là, c'est-à-dire que le slogan que chacun de nous devait prôner, c'est de demander à chaque leader politique, c'est de demander à chaque responsable politique de penser à ses enfants de Côte d'Ivoire, de s'asseoir sur la même table, de demander au président Gbagbo Laurent, au président Henri Konan Bédié, au président Ouattara, de s'asseoir. Et que la politique, ce n'est pas la clanisation, la politique, ce n'est pas la sectorisation, la politique, ce n'est pas le bâillonnement, la politique, ce n'est pas l'emprisonnement. Nous pouvons vivre mieux. Nous pouvons vivre mieux. Hier, vous avez vu ma vidéo. Quand j'étais au village, il y avait un jeune qui avait un t-shirt RDR. Vous savez qui c'est? C'est un jeune burkinabé
qui est né dans le village. C'est un jeune Burkinabé qui est né. Je l'ai vu tout petit. Quand il m'a vu, tu l'as vu, non? Il était tellement content. Il a son t-shirt RDR. Mais il est venu me saluer. Il dit, maman, ça fait longtemps, la dernière fois que tu es venu, c'était ça. Il a veillé là. Il a chanté. Il avait un t-shirt RDR. Je ne lui ai pas dit que, puisque moi, je suis du Front Populaire Ivoirien, et on est en train de chanter le président Laurent Gbagbo, donc il faut enlever ton t-shirt pour que je te filme. Il a gardé ce t-shirt-là. C'est ça qu'on veut. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut. Et moi, je me retrouve dans cette Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. C'est cette détermination qu'on veut. Et vous êtes intimidé les gens. Pourquoi vous intimidez les gens? On dit c'est Maître Dagué. Moi, les athées m'attendent pour sortir. Pourquoi? Maître Dagué, si vous regardez ma vidéo, je suis là. Je vais partir. Je vous attends à l'aéroport. Vous allez me dire le motif. Si ça dit que le fait d'avoir défendu les patriotes, c'est devenu pour vous un zèle. Si vous n'avez pas... Si vous avez tant ce pouvoir-là, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont encore en prison. Allez-y demander au président Dramane Ouattara, au président Alassane Ouattara, que les Ivoiriens ont envie d'aller en paix. Regarde, je suis venu. Mes parents Koyaka, mes beaux-parents Koyaka m'ont offert ça. Ça, c'est Adja qui m'a offert ça. Et mes parents Maoukala, vous allez voir les boubous. C'est de ça qu'on parle. On veut se mélanger, on veut se parler et on veut être libre de militer partout, sans les armes, sans la machette et sans l'intimidation. Donc, je suis là. Je suis bété. Je suis doumé, bété de Mama et Mauka de Ferentala. Je suis la fille de la femme Douaoudin, celle qui a essuyé les larmes du président Laurent Gbagbo, qui s'appelle Nadi Gbagbo Ozoa, Dieu donné, désiré, ange béni de Dieu, qui a dit qu'il ne faudrait pas que le président Laurent Gbagbo meure, qui ne prend pas son temps à dénigrer le président Laurent Gbagbo sur la toile, qui ne favorise pas les gens de déshabiller le président Laurent Gbagbo. Elle a pris soin de lui. Elle a défié, son seul défi, c'était quoi? C'était de rentrer avec le président Laurent Gbagbo, l'homme du peuple, l'homme pour qui le 17, là, tous les Ivoiriens étaient dehors. Ils étaient là, ils étaient heureux, où la terre de Côte d'Ivoire est heureux. Elle a été à la hauteur. Jamais elle n'est venue, malgré qu'elle a été insultée, malgré que sa mère a été injuriée, malgré que ses parents ont été injuriés, mais jamais vous n'avez vu un Maou ou quelqu'un de Maouka ou un parent de ma maman Nadi Bamba Douaoudé venir sur la toile, répondre et injurier et être indignée. Elle est restée digne aux côtés de ce grand homme-là. Elle sera honorée. Moi, les athées, je dis, là, je suis venue pour partir. Mais ma maman Nadi Bamba Douaoudé, elle sera honorée. Elle sera honorée parce qu'elle a pris soin du président Laurent Gbagbo. Dans nos villages, moi, mon grand-père, là, il avait 9 femmes. Mon grand-père avait 9 femmes. Moi-même, là où je suis assise, là-même. C'est-à-dire que si je gagne un gars qui est bien, qui s'occupe bien de moi, qui m'achète ma maison, ma voiture bien, je vais être même 2e, 3e femme, 4e femme, 10e femme. Et puis, ça ne chauffe pas. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Maman a dit, sois la bienvenue. Ta fille n'est pas encore partie. Je veux te saluer ce matin. Je veux saluer ta discrétion, ta fidélité. Je veux saluer la grâce que Dieu a faite sur ta vie. C'est de ça dont il s'agit. Vous les péros comme ça là, d'autres même ont bouffé l'argent. Et tous ceux qui font ce relais là, ils tombent tous du COGEP. Quand tu leur parles, oui, nous-mêmes on va laisser FPI là, on va partir dans COGEP. Nous-mêmes on va laisser FPI là, on va partir dans COGEP. Vous êtes maudits. C'est ce qu'il a dit. Vous êtes maudits. Et vous allez échouer. Moi, mon challenge là, bientôt, les 3 présidents, les 2 ex-présidents et le président actuel, ils vont s'asseoir. Et puis les jeunes, les vieillards, les mamans de Côte d'Ivoire vont les suivre parce qu'ils vont ramener la paix. Gbagbo Laurent, il a demandé de divorce. Dagué Rodrigue, au lieu d'aller me faire arrêter à l'aéroport, là, il faut prendre acte. Il faut prendre acte du dossier de divorce. Il faut dire à ta cliente de signer et puis on va respirer. Gbagbo Laurent n'est pas le seul homme qui a divorcé à Abidjan ici. Il y a des gens qui ont fait pire. Il y a des Ivoiriens qui n'étaient pas mariés au président Laurent Gbagbo qui ont souffert dans cette crise post-électorale. Il y a Jean-Jacques Béchaud. Jean-Jacques Béchaud. Il y a Désiré Tagro. Si on veut citer là, le nom là, c'est beaucoup. Et puis il y a d'autres aujourd'hui même encore là qui ont leur avoir gelé. Voilà, ils sont dedans. Leur arrivée à la réconciliation. Je dis et je vous le dis. Le président Ouattara, bientôt, là, va retrouver son jeune frère, le président Laurent Gbagbo. Ils vont s'asseoir pour que tout Ivoirien qui veut militer dans n'importe quel parti en Côte d'Ivoire ait la liberté.
pour dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que ce n'est pas les armes, ce n'est pas la machette qui fait la politique, mais c'est la parole, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est l'argument. Et vous là, vous êtes là en train d'intimider les gens? Votre groupe là, votre bande là? Je m'arrête là. Je suis là. Je ne vais pas vous laisser. Il n'y a même pas à avoir peur de vous. Et je vous attends. C'est ça qui est la vérité. D'ailleurs, il faut faire le papier là. Il faut saisir. Ils vont faire l'amiable. Quand on est capable là, on ne s'accroche pas à un homme qui est fané. Un homme qui n'a plus de cerveau. Un homme qui est bobo. On ne s'accroche pas. On le libère. Libéré. Et quand vous êtes capable, c'est ce qu'il dit. Si les Ivoiriens pensent que le président Laurent Gbagbo, ils peuvent réitérer leur confiance au